les abonnés, bonjour à tous les éleveurs, à tous les entrepreneurs du bâtiment, à tous ceux qui ont envie de gagner des marchés publics, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Je vais partager avec vous aujourd'hui deux éléments essentiels qui motivent, qui caractérisent la vie d'un entrepreneur. Premier élément, c'est le mental, c'est le mindset. Si ton mindset n'est pas au beau fixe, tu ne pourras jamais passer à l'action. Et pire encore, si tu as déjà traversé des moments difficiles, raté un business et que tu veux repartir, ou que tu es entouré des amis, des copains qui sont dans l'échec perpétuel, ton mindset qui n'est pas au beau fixe ne te permettra pas de lancer. Et pouvoir avoir ton bon mindset et reparamétrer ton mental pour le mettre dans une bonne disposition, il n'y a pas deux possibilités, il n'y en a qu'une seule, c'est de se reparamétrer ton mental pour retrouver le bon mindset qui va te conduire à te mettre à passer à l'action. Et pour ce faire, c'est exactement comme un athlète qui prépare une compétition. Et pour préparer la compétition, qu'est-ce qu'il fait? L'entraînement. J'arrive ici, le tournant là, c'est généralement là. Mon démarrage, je voulais travailler comme ça. Et en le répétant tous les jours, bêtement, le cerveau, il enregistre cette motivation et il le ressort sans complication. Et c'est en le répétant véritablement comme il faut, parce qu'il ne faut pas juste le dire que bon, mais je vais y arriver, tout ça. En les répétant les exercices régulièrement, c'est que comme ça, quand tu planifies une tâche à faire et que tu hésites et que tu ne le fais pas, mais ce que tu as dit, ce n'est pas vrai, tu n'es pas dans le mécanisme de passage à l'action. Et c'est exactement donc le cas. Un athlète et quelqu'un qui passe un permis, quand tu passes un permis de voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu montes dans la voiture, tu mets la clé, tu tournes, tu passes les vitesses, tu l'embrayage, tout ce mécanisme que tu dois répéter régulièrement. Et pourtant, il y en a qui disent que je ne vais pas arriver à conduire, hein. Ça va être compliqué, c'est trop dur. Et dans cette répétition, tout de suite, le cerveau, il t'a mis dans l'état. Et puis, au bout de quelques mois, paf, tu es au point que tu te mets à conduire. Donc, le premier mental, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, c'est l'entraînement à changer, à reparamétrer son mental, son cerveau, et pour qu'on soit dans la bonne disposition pour pouvoir entreprendre. Le deuxième élément, c'est la formation. Parce que c'est la technique. Quand tu veux faire quelque chose, il faut vraiment apprendre le métier pour pouvoir le pratiquer. Même si tu as envie de le faire, tu as décidé, tu ne l'as pas appris, tu ne pourras pas. Beaucoup de nos compatriotes, généralement, se le disent, c'est trop cher cette formation, je n'ai pas envie de le faire, je vais essayer de me contenter des tutos, tout ça. Oui, moi aussi, j'ai fait comme ça, mais je prends du temps, ça prend du temps pour que tu y arrives. Alors, quand tu prends la formation, au bout de quelques semaines, mois, tu es au point. Et moi, je vous parle, pour pouvoir mettre en place ma chaîne et promouvoir l'accompagnement pour les TPE, les PME et les éleveurs de poulets de chair. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé une formation pour comprendre comment fonctionne YouTube. J'ai payé une formation. Ensuite, j'ai payé une formation pour pouvoir faire un montage, filmer et faire un montage de vidéo, comment faire l'arrangement. Et donc aujourd'hui, la conception, la réalisation, le montage et la diffusion de mes vidéos, je le fais tout seul. Bien sûr que pour l'instant, ça me prend beaucoup de temps parce que je suis le seul à faire. Et donc la formation, c'est indispensable. Moi, je vois
éleveur qui dit, ah mais j'ai vu ta fiche, j'ai vu ça, ça vraiment, je voulais l'acquérir, tout ça. On en discute, je lui envoie les éléments, tout ça. Et vous voyez que, ouais, je vais voir. Bah oui, tu vas voir. Vois et tu reviens, je lui dis. C'est à toi de voir. Je ne peux pas faire autrement que ça. Voilà, donc, mes chers amis, chers entrepreneurs, éleveurs, jeunes entrepreneurs, les deux éléments de la vie d'un entrepreneur, c'est le mindset, le reparamétrer quand ça ne va pas, pour le mettre sur l'orbite et permettre au cerveau de le ressortir. Et la formation. Venez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, donnez vos points de vue. Est-ce que vous êtes dans ces bonnes dispositions ou pas? À très bientôt. Prenez soin de vous.